Alors, en tout cas, Disneyland à côté, Non, c'est nul. c'est dur. Comment se consoler? La petite épicerie du village. On ne peut pas payer par carte. Mais il y a les produits frais. Du coup, on se console avec du vin et de la charcuterie. Ouais. Bonjour, bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Ça va pas du tout. On est bloqué. On les cumule. Ouais, mais on n'a jamais de chance. Là, le Finuvia, il est fermé. En fait, il est ouvert en, en haut, mais pas en bas. En bas, il n'y a personne. Donc ouais. Voilà, bloqué. Du coup, bah, on profite. Ouh, je vais pas tomber. De la vue. Wow. Un peu dégagé, on a de la chance aujourd'hui. Et apparemment on peut pas descendre à pied parce que c'est dangereux. Parce que comme il n'y a pas de route. Ouais, c'est des chemins en fait. Mais ça fait chier parce que du coup ça décale encore notre journée quoi. Ouais. Bon. Ouais. On va voir ce qu'on fait parce qu'au final. On a une heure à attendre. Je vais aller voir avec le monsieur si c'est vraiment une heure sûre. Comme ça on. Comme ça on voit. On se met à l'abri. Voilà, on se met à l'abri et puis au pire. Je suis en train de penser à la fille qui prend. Qui bah prend moi aussi du coup je pensais. À j'ai envie d'attendre là parce qu'imagine. Elle vient. Et que j'aurais pas. Non, mais il est 9h passé, elle a dû aller à l'école avant 8h. Hein. Ouais, mais ça passe à 8h. Elle a dû descendre en voiture. Bah ouais, c'est con parce que si on l'avait chopé, on aurait pu descendre avec elle, tu vois. Bon, bah on va camper ici, malheureusement, c'est fermé, c'est bloqué. Bon, là, on va aller se promener. On va aller visiter l'autre côté de la montagne. Ça fait chier quoi, je veux dire, les gars, en fait, vous habitez à la montagne. Vous habitez à côté d'un truc d'eau. Ouais. Prévoyez, non? Bah là il est 10h passé. Moi j'ai juste compris que c'était fermé. En fait on pourrait aller en ville, sauf qu'il faut prendre un bus. Pour aller dans un autre village encore plus haut et plus loin que notre vallée. Ouais, pour après redescendre. Redescendre, prendre un autre bus pour redescendre à Ardugno. Et si on voulait faire ce qu'on avait prévu, encore reprendre un bus pour aller jusqu'à Menaggio, pour prendre un ferry jusqu'à Bellagio. 15h10 max, reprendre un ferry pour aller à Ardugno. En fait, c'est dépenser beaucoup d'argent pour très peu de temps, en fait. Surtout si on se fait arnaquer comme hier, prendre le bus de Ardugno jusqu'à Menaggio, c'est 8 euros. Et bon, pour deux. Et quand tu fais le retour Menaggio-Ardugno, bah, c'est 5 euros. Bah. Après, c'est bête parce qu'il fait beau aujourd'hui. Ouais, là, il y a le soleil. Du coup, on sait pas trop ce qu'on va faire, là, on va se promener. Mais... En plus, en rigolant, mon père il m'avait dit ouais, ça se trouve, en plus, il neige là-bas, tu vas rester bloqué, vous n'allez pas pouvoir repartir. Eh ben voilà, on va en profiter pour faire un room tour. Là, c'est l'entrée. Là, c'est le fameux virage bizarre. Là, on monte par les petits escaliers. Oh, c'est joli. C'est beau, ça mérite de faire une photo, ça. Je ferme pas cette porte. Hop, entrée, salon, cuisine. La cheminée qui fonctionne pas. Le fameux radiateur qui nous a sauvé notre vie, notre canapé, la petite télé avec Netflix, notre bordel de la table, oh là là, la cuisine, donc le, ouais la hotte que je me prends tous les jours quand je fais la cuisine, là je fais que me cogner dessus, je vais finir par mourir, le frigo, four à micro-ondes, bref, la buanderie, là je sais pas, un escalier qui n'est pas un escalier où il y a tous les trucs pour faire le ménage, ah ils nous ont bien sous-entendu qu'il fallait qu'on fasse le ménage, hein. Mais niquez vos mères, et notre chambre, alors ça c'est mon... Oula. Ben non, ça c'est dit de Fiona. Et là, c'est mon lit. Mais on peut pas y aller! Oui, je sais, mais bon. Toi, t'es intéressant de voir un autre lac. Bon, on va à Sainte-Fédélie. Ouais, on peut essayer. Y'a quoi de beau à Sainte-Fédélie? Vends-moi le truc. Donne-moi ce que je cherche! C'est ce qu'elle fait tous les soirs. Elle se prend la tête. Au lieu de vivre sa vie là. Ben je la vis ma vie. Si on s'organise pas et tout, on prend un bus comme ça en mode ouais, on verra bien. Puis il ouais, n'y a pas de bus pour le retour, on fait comment? On se tape 50 km à pied? Ben non. Ben moi en vrai, c'est un peu ça ma vie, tu vois. Mais ils sont neufs mes pieds. Mais, 100. Non. Je les sens déjà là. Mais non, ils puent pas. T'as vu? Oh, tu m'as mis des cheveux. Donc programme, on mange. Néhi, ça veut dire quoi? On prend le bus, on visite, on prend le bus, on picole. Ah, c'est ça. Ah bah enfin. Alors, tu vois, je suis pas méchante. Elle a mangé la moitié de la plaquette, on l'a acheté il y a une heure. Mmh.
J'ai plus de faim. Tu veux me expliquer pourquoi t'as mis ton bonnet? Parce qu'on va s'en aller, il est moins clair. Ah, on prend pas de café? Mais y a pas de café ici. Meuf, elle dit on va tout ranger. Alors tu regardes sur la table, y a que ses affaires. De toute façon, elle n'entend jamais rien. Elle est sourde. Alors, petit hall des affaires de Fiona. Alors, il y a son déo, il y a sa pochette, son jeu de cartes, tous ses papiers de tickets de caisse qu'elle garde pour en souvenir, sa bouteille de vin, son programme d'hier et d'aujourd'hui qui ne sont pas du tout bons, et ma carte bleue. Parce que ma carte bleue, forcément, vu qu'elle a payé l'hôtel avec ma carte, la réservation, non ! C'est honteux ! Quoi ? Tu sais que t'es conscient que tu parles tout seul devant une caméra. Bah non, je suis pas tout seul, ils sont là. Ouais, ouais. Cette lune de miel est un enfer. Bon, on a 8 minutes pour aller au bus. Eh bien, on a failli pas voir le bus. Ouais, on a failli voir le bus. Il y a un bon bar à San Fidelis. J'ai vu ça. Mais la meuf... Ça fait style taverne, c'était... Voilà. Mais il y a... Comment tu sais? Bah, j'ai regardé. C'est le premier truc centre d'intérêt là-bas. Qu'est-ce... Les 10 choses à faire sur TripAdvisor. Sur TripAdvisor. Mais c'est quoi les 9 autres? Il y avait une grotte à visiter. Et le tout. Et la grotte elle est fermée. C'est certainement qu'il y a beaucoup d'eau. Donc bah, c'est fermé. Ça secoue. Et le troisième truc c'était un musée. Ouais, non, mais le troisième truc, mais tu m'as dit qu'il y en avait 10. Bah, c'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'il y a. Mais il y a. Bah, oui, il y en a trois. Non, je me fous pas de toi. C'est... Mais quand tu recherches un truc sur TripAdvisor. Tu recherches la ville. Et ben, ils te mettent les 10 meilleures choses à faire là-bas. Sauf qu'il n'y en a que 3. Ah bah, le café, l'intérêt d'être bien. Non. Non. Oh. Oh bah, d'accord. Ah bah, il y en a une autre. Oh ouais. Bon, après moult secousses, nous voilà enfin arrivés à San Fedele. Très calme comme village. Hein. Enfin, c'est calme, il n'y a pas beaucoup de gens, mais il y a beaucoup de voitures. Alors, beaucoup de voitures, mais... J'ai toujours pas de photo. Pour moi, c'était... Attends. Là, on cherche une église, mais ouais, pour moi, c'est la Santa Libera. Bon, bah voilà, on a trouvé la mini-église. Oh, toi qui voulais laver tes culottes et tes chaussettes. Là, c'est le moment. On dirait un soleil. C'était de prendre le cheval, monter dessus, puis partir. J'ai mauvais. Je me saoule avec tes cheveux. Y'a le mec à Mila! Non, mais à un moment donné, Fiona. Qu'on se dise les choses, qui est l'homme dans la maison là? C'est moi. Ah, bah c'est bon alors, j'ai complètement... Désolé, des fois je perds un peu le contrôle de ce que je dis. C'est promener dans un village où il ne se passait rien, à part des voitures qui circulent et qui nous écrasent toutes les deux minutes. Bah, tu m'excuseras, mais c'était la seule activité qu'on pouvait faire de la journée.
comme bêtise encore. Putain, mais c'est pas possible. T'as trop de force. Il a cassé le tire-bouchon. Mais quand je te dis qu'il était pourri le tire-bouchon. Ah oui, comment on va faire, la banane? J'ai une technique. Non, t'as pas de technique. Je l'ai vu sur YouTube. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sabrer le... la boutique. J'ai vu ça sur internet. Oui, au chalumeau, mais pas au briquet. Et mais j'ai qu'un briquet sur moi. Et ça, c'est censé faire quoi? T'as pas de flamme? T'as l'air de défoncer. Oui. Mais j'y peux rien. Je crois que j'aurais tout vu. On a réussi. Là, on a réussi. Et on l'a débouché. À deux, comme des cons à creuser. On l'a creusé, on l'a tiré, on l'a levé. Il fait des bulles. Il était pétillant. Mais putain, oui, il est pétillant, Fiona. De où il est pétillant? Présenté, c'est un vin rouge pétillant. Ça me fait pas rire. On aurait pu faire exploser la bouteille, là. Oh putain. En plus, on l'a chauffé. Quand on l'a débouché, ça fait comme un bruit de champagne. Petit apéro à deux, regardez tout ce qu'on mange. J'ai peur défoncer. Ton père va te tuer, du vin et du gras. Je vais prendre 10 kilos. Pookie, Pookie, alors, N. Pourquoi? Bah, je mets une musique, mais. Il t'a dit ça? Ouais. C'est vrai? Ouais. Ça va, lui. Ha ha ha.